Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vous montrer comment gagner vite fait de l'argent. Parce que vous voyez que j'augmente vite fait, alors que là j'ai déjà 12 000, alors que je fais peu de parties et tout, je joue peu en ce moment. Et aussi, en parlant, il y a Xborg, le nouveau personnage Xborg, qu'on peut tester en faisant des assistants, je sais pas quoi là, tu demandes de l'aide et puis donne de l'argent et puis tu pourras le tester pendant 3 jours. Ou soit tu peux aider tes amis, tu peux en aider 10 et tu peux recevoir 5 aides pour recevoir le héros pendant 3 jours. Et puis après il sortira en vrai au prix de je sais plus combien de diamants et d'argent. Enfin de gold. Pour pouvoir gagner plein vite fait de l'argent, enfin du gold, alors il faut savoir qu'il faut être bon. Il faut forcément être bon parce que ça va tout va jouer sur la partie. C'est tout se joue sur la partie. Même si tu fais pas de réalisation, hein, moi ça m'arrive d'en faire, mais je me consacre pas sur les réalisations. Hein. Les réalisations, ça m'arrive d'en faire parce que je me consacre sur mes parties. Mais sinon, j'en fais pratiquement pas. Je me consacre pas du tout. Je me dis pas, tiens, faut que je fasse 50 kills pour pouvoir gagner tant de gold. Non, non, non. Tout se consacre sur la partie. Faut savoir que plus t'as un haut niveau et tu gagnes, plus tu gagneras de l'argent. Genre, c'est déjà si t'as une partie gagnante, mais t'es bronze. Comme grade, et bah tu gagneras peu, enfin moyennement parce que tu as gagné. Si tu as gagné la partie et tu et t'es MVP, là tu en auras plein. Si tu as perdu la partie et en plus tu es bronze, tu en auras très peu, très très peu. Et peut-être, je crois que des fois ça peut arriver d'en avoir rien. Alors, on va faire une game où je vais gagner, bien évidemment. Sinon, ça va plus dans la vidéo. Alors, oui, pour ceux qui savent pas, oui, je suis bien Epic. Je suis Epic. Et j'attends d'avoir le skin Dyrod, Sun, pour pouvoir continuer à jouer. Bientôt, des gameplays sur Lilia vont sortir. Faut juste que je les fasse, en fait. Et c'est tout, mais pour l'instant, ça arrive pas maintenant. Il y a déjà des vidéos qui sont préparées, comme en ce moment, c'est pas trop ça. Et bon, on va prendre Dyrod. Hein. Attends, on va ban Lunox parce que si je banne pas lui. Oh, il veut déjà prendre lui. Merde. Non, mais ils vont pas prendre tous les combattants. Sinon, je reprends Zask. Je veux dire que j'ai envie d'utiliser Dyrod quand même. Et puis après, on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va me laisser passer ou pas? On verra. Sinon, on prendra Lilia. Si on prend pas Dyrod, on prend Lilia. Parce que de toute façon, ils ont ban Kufra, Esmeralda, Lunox et Guinevere. Ouais, il y a plein de gens qui prononcent différemment ce prénom. Hein, bon. Enfin, ce pseudo, on va dire. Je recommande Leslie. Leslie, je l'ai en plus, Leslie, je l'ai. Non, pas Kimi. Ouais, c'est vrai, pas Kimi. On va marquer No Kimi. Parce que quand même, on veut pas. Oh, mais c'est chiant. No Kimi, voilà. Le mode bannissement, il y en a plein qui aiment pas ça. Enfin, c'est bien parce que tu peux banner des héros, mais c'est hyper long. Les gens, des fois, ils choisissent leur personnage, puis après, ils partent faire autre chose. Mais moi, des fois, ça m'arrive de faire ça. Mais c'est tellement long à attendre. Oh là là là. Arit have you. Arit have you. Hein? Non, j'ai pas de tank et non, j'ai pas d'Arit s'il parle à moi. On va juste étudier Dyrod. On va dire que j'ai pas de tank. Du coup, ouais, là c'est un peu la galère. Bon, après, un tank c'est pas obligé parce que all 12 comme ils l'ont changé. Ouais, bah, mais on fait prendre Dyrod. Ah, bah, je pouvais très bien prendre un autre personnage. Hein. J'avais Lilia, j'avais comment ça s'appelle elle, Kadita. Ah bon, il veut que ça. Bon, ce personnage, si j'arrive à avoir assez d'argent vite fait, parce que quand même, ça fait pas longtemps qu'il est sorti le dernier personnage, et puis j'ai pas beaucoup joué, du coup, il me manque quand même. Après, ça dépend combien il va coûter Xborg. Wow. Ah là, les problèmes de connexion, ça y va. Je crois que bien que je suis en 4G en fait. C'est pour ça. Ouais, on va aussi dire que j'ai besoin d'un tank quand même. Enfin, un tank, c'est pas vraiment obligé pour lui, mais il faut juste pas de cancer pour pouvoir pas me spam parce que j'ai pas beaucoup de vie en fait. Ok, voilà notre compo avec mon beau skin Dyrod. Ah, super ça. Super. Bah c'est bon, on est bon. Allez, c'est parti, on rentre dans la game. Bon alors, dans notre équipe, nous avons Ruby, Chou, Karina, Gord et Anabi. Et dans notre équipe, nous avons moi, Dyrod, Arit, Alucard, Franco et Kimi. Ah oui, d'accord.
Ah, j'espère que j'aurai pas des problèmes de connexion en cours de game. Sinon, je vais devoir me mettre en 4G parce que ça va être mieux. En ce moment, ma wifi en ce moment, elle est un peu zigzagouillée. Bon, on va faire notre quotidien avec ce personnage. En espérant de ne pas avoir de bug de connexion. Alors, je sais pas si c'est un bon Harit. J'espère que c'est un bon Harit, hein, parce que... Harit, Orkimi, Top... Ah oui, il faut bien qu'ils aient des franco, quoi. Ouais, allez l'aider. Ah bah, c'est Kimi qui est parti. Normalement, le tireur, il pourrait rester au milieu, mais bon... Ils font ce qu'ils veulent. Après, c'est un Gord. Du coup, un Gord... Ah ouais, un Gord, c'est cancer pour moi. Un Gord, ça peut me faire très, très, très mal. Surtout quand il me stun. Non, s'il te plaît, retreat. Merci. C'est sympa. Bon, j'ai un peu du coup attendu mon pouvoir et je perds un peu de temps. Non, ils font quoi là? Wow, c'est à moi. Pep. Prenez pas ma jungle. Ah, mais j'ai pas précisé qu'il faut pas prendre ma jungle. Sinon, après, je suis nul. Je suis hyper nul si on prend ma jungle. Ah, au moins, j'ai eu ça. Bon, après, on va vite fait passer pour attaquer ces mobs. Voilà, allez, c'est bon. Est-ce qu'ils sont là, les mobs? Je sais pas s'ils sont là en fait. Il fait quoi là? Pourquoi il me suit comme un chien, le mec? Je vais pas demander quelque chose, hein. Attends, y a aucun. Non, ils ont tous tué les mobs. Alors, tu veux quoi là, hein? Tu veux quoi là? Ah, bah, fuis bien, oui. Après, tu vas vouloir revenir me tuer, c'est ça, hein? On comprend, on vous comprend tous. Hop. Aïe. Ok, aïe. Wow. Alors, toi, mon gars, meurs. Vite, meurs. Tue-la. Bon, c'est pas grave. On va tuer les mobs qui sont juste en bas. Hop. Vous allez voir que... Bon, je vais essayer d'être MVP de la game. Bon, si je suis pas, c'est pas très grave. Mais vous allez voir que... Plus t'es haut placé, plus t'auras de l'argent. Plus t'en gagneras. Même sans faire de réalisation, plus tu fais... Ouh là là. Hop, non, meurs pas. Ah d'accord, bon, c'est de te tuer. D'accord. Après, mon quotidien, c'est de tuer la tortue. Hop, on va aller la tuer, la tortue. Et Lucar, il est en train de galérer. On va aller l'aider en bas d'abord. Vite à Lucar. J'arrive. Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que je fais pour que je fonce dans le mur? Vite, on court. Cherchez à Banabi. Anabi, t'es décédé, mon gars. Enfin, fille. Attention. C'est qui est mort? J'avais prévu qu'elle allait fuir, mais en fait, elle a même pas fui. Elle a voulu m'attaquer. Elle a pas compris que j'étais Dairot et que c'était Funny qui jouait ce personnage. Donc, elle a pas fui, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça le truc. Comment je suis morte alors? Ah oui, elle m'a tué parce qu'elle m'a stun. Ouais, mais en même temps, après, quoi. Si ça stun, c'est sûr. Allez, on va détruire un port. J'étais censé aller détruire la turtle, mais bon. C'est pas grave. Non, viens pas me faire m'embêter, s'il te plaît, merci. Si tu veux te régène, tu vas te régène auprès de notre base, ok? Tu n'as une base, pas pour rien, d'accord? Ok, on va pas me faire chier dans la jungle. Hop, moi je veux être seul. Je joue solo. Dairot, c'est un personnage qui je joue solo, hein. C'est pas un personnage qui se joue en groupe. Après, vous jouez comme vous voulez, hein. Mais moi, je joue d'une façon différente par rapport à tout le monde. Les gens le jouent en mode vitesse, genre qu'il attaque plus vite et qu'il y a du vol de vie. Moi, je joue pas du tout comme ça. Et puis, comment je joue? Bah, très bien, hein. Bientôt, je serai premier mondial, là. Je serai dans les tops du mondial. J'ai rien à comprendre. Tout le monde va vouloir prendre ma position de jeu. Allez. Je sais pas comment ils font, mais bon. Attaquez, s'il vous plaît, attaquez. Oh. J'aurais voulu tuer mon ulti, mais en fait, non. Flemme. Bon, on n'a pas tellement d'avance, là, par contre. On a de quoi fuir, c'est bon. Pas besoin d'en faire tout du pipeau. Il y a Karina et tout. Bon, Karina me fait pas peur, hein. Elle me fait vraiment pas peur. Sauf si elle me prend par surprise, sinon elle me fait vraiment pas peur. Hop. Allez, et on tue. Bon, j'ai un peu failli mon ulti en même temps. Mais c'est pas grave, on l'a quand même tué. Et Karina, elle a fui parce qu'elle a eu peur. Bon, elle vient pas m'attaquer, elle a peur. Elle est que niveau 5, Karina. J'ai de l'avance sur Karina. C'est magique, ça. Ah. Toi, tu veux quoi, là? Ah non, ils sont deux. Oh, j'ai failli la tuer. Pas grave. On désespère pas. Et on va attaquer. Merde. On va attaquer des bonhommes. Enfin, des bonhommes, des gens de la jungle. Enfin, c'est des mobs, quoi. Genre pas du langage qui n'est pas très accordé à Mobile Legends, hein. Ah là là. Attendez. On va voir ce qui se passe là. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ouais, on va les aider, hein.
Allez, Gord, qu'est-ce qu'il veut notre Gord? Et... Wow. Ah, c'est une stun. Bah ouais, mais... On va détruire le mob qui est ici, s'il est bien vraiment là. Hop, c'est parti, tcha. Bon, j'ai des techniques avec lui, hein. J'ai des techniques, hein. Si vous voulez que j'apprenne, si vous voulez que je vous fasse des vidéos genre que je comment jouer tel perso, tel et tel perso, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai. Après, vous voulez apprendre à bien les jouer. Je sais comment bien les jouer, c'est juste que je sais pas le faire, hein. Voilà, c'est tout. Non, en vrai, Sun, je sais pas vraiment bien le jouer. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me up en build. J'arrive pas à faire ça. Ce qui fait que, bah, en fait, je suis nul. Oh, non, mais j'aime pas elle. Elle arrive, elle stun et tout, là. Wow. Alors, elle, mon gars. Voilà. Ça, c'est fait. On va prioriser ça. Tu es là. Ouais, elle est franco, t'as un best. Tu es là, franco. Enfin, tue-le. What? Attends, il va fuir. Yeah. Oh, je vais voler son kill. Je veux dire que je suis désolé. Même s'il y en a qui s'en foutent des kills. Faut me dire, je suis désolé. Bah, la plupart s'en foutent pas parce que ça les sert vraiment à up. Pour un tank, c'est pas vraiment grave. Mais pour certains, si. On va aller juste mettre ça, on va détruire ça d'abord. On va dire que ça c'est plus important. Oh, j'avais vu un bug de connexion. Il tue la turtle? Bon, on va l'aider. Genre, il tue son ulti sur la turtle. Je vais dire ça, mais moi je vais l'utiliser juste pour finir la tortue. Hein. Ah, donc après, voilà quoi. Je fais souvent quand on est à plusieurs et j'ai besoin de la tortue pour avoir plus d'XP qu'eux. Et bah, je fais ça. Eh bah, ouais. Ouais, vous avez compris. Je suis un voleur de trucs, hein. Bon, après, c'est pas le pire pour voler, hein. C'est pas le pire. Après, il y a Lilia qui peut faire très très mal. Elle va fuir. Oh non, elle va pas fuir. Oh non, elle va pas fuir. Ah non, mais il est parti. Mais il fait quoi là? Ah, moi je crois qu'il est toujours en train d'attaquer. Ah, vite, attaquez, vite, one shot attack. C'est-à-dire qu'ils vont, tous partir au milieu, les ennemis. Du coup, nous on va partir par là. Ah, je suis mort deux fois. Je suis pas le meilleur. Ouais, c'est Harith le meilleur. Mais c'est pas grave. Ah, aussi j'avais téléportation, j'aurais pu me téléporter là. Mais bon. Pour lui, c'est mieux de prendre flash. Après, chacun prend ce qu'il veut. Moi, je dis pas quel but faut prendre. Wow. Let's calm. Et... Oh, vite, on va tuer. Ouh. Vas-y, il a pris les deux kills. Il est sérieux, le mec? Ah ouais, mais laisse tomber. Vite. Oh. XD, PTDR, MDR. Et je sens qu'il va sortir une de ces boules là. J'étais sûr qu'il allait sortir une. C'était sûr. Bon, en attendant, ils sont un peu dans la merde. Après, je dis ça, déjà, hein, ils peuvent très bien remonter. Ça m'est arrivé là. On était en train de les défoncer. Ils ont remonté comme ça là. Pam. J'ai rien compris. Oh là là. Allez. On vous tue. 3-2-1. On va détruire les mobs qui sont. Enfin, on va les construire comme des mobs. Ils sont nuls comme des mobs. Ah mais Ruby, en fait, c'est aussi un personnage qui est chiant. Je peux pas l'affronter. Elle va trop stunner, en fait. Elle va beaucoup trop stunner. Oh là là. On va aller détruire les mobs qui sont là. Et on va les finir. On va les finir, c'est bon, on en a marre. J'ai envie d'être MVP là. Il faut juste que je fasse des petits kills là pour être. Parce que là, MVP c'est. Ouais, bah, c'est Harith. C'est littéralement Harith. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on n'est pas là pour... Après, j'ai quand même fait des bons kills. Là, je suis hors au moins. Voilà. Série de victimes. Ça fait 3 victimes que je fais sans mourir. Et bah voilà, il est mort. Allez, qu'est-ce que t'as vu, elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Sérieux? Sérieusement? Non, pas grave, ça nous fait des kills d'assistance. Notre but, c'est juste d'être plus fort que Harith pour être MVP. Hein. Là, on sait. Oh, il a fait 6 kills quand même. Il est mort combien de fois? 2 fois en plus. Ah ouais, mais là, c'est sûr que c'est MVP, faut qu'il meure. J'ai envie de dire tuer Harith, j'ai envie d'être l'MVP. Mais bon, ça se fait un peu de pas, quoi. Après, je vais prendre ce qu'on appelle le karma, quoi. Faut qu'on arrive à détruire leur tour. Mais s'il reste sous la tour, je pourrais pas être tué sinon je vais mourir. Si je meurs, c'est mort, je suis sûr que je suis pas MVP. Faut que j'arrive à voler ses kills en même temps qu'il meurt, en fait.
Et comme ça, je me fais plein de kills en attendant. Allez. Ils sont où là? Ils sont partis là. Ah, ok, on va. Non, j'avais pas vu qu'ils étaient plusieurs. J'avais pas vu. Mais putain. Ah, mais il est mort. Oh, mais il est mort, ça va, ça passe crème. Mais ça passe crème, ça passe crème, ça passe crème. Allez, let's go. On y va. Oh oui, on peut la tuer. Elle. On va juste prendre un peu de stuff là. Allez, c'est bon. Là, on y croit. On y croit dur comme fer. Go. Allez, on va prendre ça. Hop. Ils veulent quoi là? Mais qu'est-ce qui? Ah, mais c'est pas possible ça. Elle est partie en plus. Lord. Ouais, on va se faire le Lord. Si c'est moi qui tue le Lord. Il y a des moyens que je sais pas si on tue le Lord, genre ça nous fait des hubs, il y a plus de chance qu'on soit MVP et tout. Je sais pas. Il fait quoi lui? Il détruit ça, mais il prend 3 heures à détruire. Oh, vas-y, c'est moi qui vais la tuer. Ouais, c'est moi. Oh non, c'est moi. C'est moi qui veux. Oh oui. Non! Oh ouais. Hop. Non, elle a tué. Par contre, je fais des kills assistance. Je fais des kills assistance, c'est bien. Aïe. Bon, par contre, le guard, il était pas si bon que ça. Hein. Arrête, il est remords. Oh. Et moi, j'ai combien de kills assistance? 7. Ah ouais, là, c'est chaud avec Alucard, là. Là, je suis plus contre Alucard. Arith, il est sorti du game, là. Ah ouais. Elle est MVP. Je vis d'être MVP. Ouais. What the fuck? Wow. Alucard meurt, Alucard. Yes. C'est un peu bizarre, je souhaite que mes coéquipiers meurent. Hein. Oh là. Non, en vrai, c'est pas possible. On peut être hors. Je dis bien, on peut. Ah, mais what? C'est quoi ces dégâts? Mais c'est trop cheaté. Ah non, mais vas-y, mais what? Bon, les amis, changement de programme. On va pas essayer d'être le meilleur, mais on va juste gagner. Et vous verrez à quel point que même quand tu fais des bons kills et tout, plus tu fais des choses dans la game, plus tu gagneras. Et en plus de faire des choses, si en même temps t'es le meilleur de la game, de faire des choses dans la game, tu gagneras encore plus. C'est ça, c'est tout juste sur la game. Pour les gens qui savent pas. Après, je pense qu'il y a des gens qui savent, évidemment, bien sûr. Et je ne sais pas si ça va. Rassemble-nous pour le combat d'équipe. On va se rassembler pour le combat d'équipe. Juste détruire ça. Ça sert un peu à rien. Mais bon, on le fait quand même. Oh, vite. On les détruit tous les mobs. Et là, on va gagner. Et là, truc ultime, on va gagner. Alors, sauf s'ils détruisent notre Lord. Non, t'es mort. Aïe. Ouf. C'est serré quand même. Hein. Il faut une bonne défense. Hein. Parce qu'avec Ruby qui stun, ça fait une excellente défense. Mais bon, quand même, je veux qu'ils décèdent tous. Je le souhaite. Allez. What? Oh, pourquoi je suis stun? Ah, c'était le pouvoir de... D'accord. Ok. C'est bon, vous êtes tous morts. C'est tous morts. À la fume, mon pouvoir. D'accord, ok. Putain, mais c'est chiant, hein, Anabi. Hein. Bon, on détruit avec ça. Super. Voilà, c'est des mobs qui détruisent. On va finir. C'est parti. Voilà, on a gagné. On va finir. Ah, ouh, j'ai craqué. On a fini. Ça y est. Alors, vous allez voir. Vous voyez, hop, déjà, je passe Epic 4. Super truc en vidéo. Et en plus de ça, vous voyez que j'ai gagné 147. En étant argent. 147 en étant argent. Imaginez le MVP. MVP. Il a dû gagner au moins 200. Au moins 200. Ça, c'est sûr à 100%. Les ors, ils ont gagné. Ils ont dû gagner peut-être 200. Ou voire même à la fin de 100, quoi. Mais bon, voilà quoi. Vous voyez que en faisant des games gagnantes, vous gagnez beaucoup d'argent. Et puis en plus, vous pouvez accomplir les quêtes d'ici.
Ça, c'est surtout le truc du quotidien. Parce que si vous faites des games, vous gagnez. Et vous faites les quêtes du quotidien. Vous faites pas les réalisations. Les réalisations, ça prend trop de temps, c'est nul. Et puis, ça, tu laisses faire tout seul, ça se fait tout seul. Mais les quêtes du quotidien, vous les faites. Enfin, vous les faites aussi automatiquement. Genre, vous vous connectez, vous faites une partie, vous faites des parties en Rix aussi. Vous faites un petit achat là de 2 gold. Voilà. Et puis là, vous mettez bien. Après, en plus, il y a les tâches, mais bon, ça fait pas vraiment gagner d'argent. Ça fait plus gagner des XP et des billets. D'ailleurs, les billets, en faisant penser, faut que j'ai mon skin Sun qui va. Mystère. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Héros. Apparence. Vous allez voir, regarde, vous allez voir le skin de Sun, que je veux, que j'aimerais avoir, c'est bien celui-là, skin Street Legend. Il m'en manque 3. Est-ce que je vais en avoir un en vidéo? Eh, c'est quoi ça? Un en vidéo. Il m'en manque plus que 2, j'ai skin Sun. Dès que j'ai skin Sun, je me mettrai à le jouer à fond, En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations pour sur d'autres choses, genre après pour avoir des gemmes, c'est un peu plus difficile à savoir. Après, il y a beaucoup d'arnaques et tout, genre des sites qui disent ah, vous mettez ça, en fait, vous donnez vos identifiants et vous hack. Mais bon, là c'est des astuces personnelles qui me servent à avoir les tout à chaque fois les héros. Bon, après, faut quand même au moins que tu joues 5 parties gagnantes, enfin, tu joues 2 heures par jour avec des parties gagnantes. Des parties gagnantes, là c'est là que tu pourras gagner, mais bon. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être bientôt ou pas. Et ciao les potos.